Oh Vlad! Vlad! Wesh! Hey, t'as pas vu la Zevlad là? Non, même pas. Putain! Putain, mais ça serait. Allô Vlad! Eh gros, il faut que je me rappelle vite là. Il s'est passé une dinguerie au market. Rappelle-moi vite. C'est tes choix, ça te regarde, ok? Maintenant, ta position, je l'ai eu, moi. Il n'y avait pas 10 000 choix, hein. Il y en avait 3. La mort, la prison et une amie. Christina. Excuse-moi, il y a un jeune qui veut te voir. Tout de suite maintenant? Ouais, ça a l'air urgent. Il dit que c'est un certain Loïc qui l'envoie. Loïc? Ouais. Ayoub? C'est bien Loïc qui t'envoie? Oui. Ouais, c'est ça. Fais-le rentrer. Bonjour. Bonjour. Merci. De rien. Je t'écoute. Bah, c'est Loïc qui m'a dit de venir. Si j'ai un problème. Il m'a dit de venir ici et il m'a passé votre numéro de téléphone. Ok, tu peux m'en dire plus? Puis, je suis venu, quoi. Et, je sais pas, là, j'ai des problèmes, en fait. C'est... Vous faites quoi, là? T'inquiète pas, hein. Tout ce qui se dit, tout ce qui va se dire là, maintenant, ça va rester entre nous. De toute façon, on est tenu par le secret professionnel. Mais si tu veux, je peux reprendre des notes plus tard. Ouais, si, vous pouvez les prendre après. Ok. Ça me fait peur. Vas-y. Je suis rentré dans un truc, mais finalement je devais pas faire ce truc. Mais en fait, on m'a dit de le faire, et puis j'aurais pas dû. En fait, je sais pas par où commencer. Bah, commence par te présenter, me dire qui tu es, comment tu t'appelles. Lecteur, toi, tu dis quoi? Oh, tu dis quoi? Quoi? J'étais sourd ou quoi? Tu dis quoi? Regarde ce que j'ai. Oh, j'étais pas confiance ou quoi? Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Eh, mais pour faire un business, il faut bien le gérer. Ouais. Ok. Tu crois que c'est facile ou quoi? Avec toi en plus, ça va être super hard. Pourquoi? Eh, je veux faire un truc légal, bien, carré. Légal. Il faut penser à ça. Et toi, tu rends ouf. C'est abusé, toi. Eh, et si demain on tombe? On fait comment? Gros, on s'assume, frère. Et pour nos parents? Hein? Et pour nos parents? On a voulu. Bien vu, beau gosse. Tiens, colis illégal, il est arrivé. Et tu l'as mis sur le net ou pas? On peut le mettre sur le net, mais c'est plus cher. Comment ça, plus cher? C'est le double. Le double? Bah ouais, frère, c'est le tarot. À la concurrence. C'est toi qui voulais faire un bis légal. T'es bien là? Je sais, bah je suis ta femme, moi. Oui, non, mais je veux dire, tu passes bien pourquoi la caméra, tu quoi. Tu t'es marié avec moi. Par contre, j'ai un petit souci avec le maquillage, c'était 20 ou quoi? Oh, t'es chiant, tu peux pas t'empêcher de charrier, hein. Tu m'énerves. Ah, ça, c'est bien. Eh, mais t'es sûr que mon père, il va pas cramer, Zam? Sûr? Fils, mon homme, moi, je suis. Voilà, mon fils! Sincèrement, avec les notes que t'as eues cette année et toutes les absences? Ça me paraît quand même très très étonnant que tu aies eu ton brevet.
Non, mais comment tu peux douter de ton fils comme ça? Je doute pas. C'est vrai qu'il a rien foutu toute l'année, mais le fait, il est là, il a son brevet, non? C'est pas du doute, c'est que je me dis qu'avec les notes que t'as eues quand t'as 4-5 de moyenne, c'est quand même très compliqué d'avoir le brevet, sincèrement, tu le sais. Mais attends, tu sais très bien qu'on peut pas tricher dans ce genre d'examen. Je m'entendais dire tricher. Attends, c'est moi qui m'en occupe. C'est très très bizarre comme projet, je te le dis, c'est pas contre notre fils, je trouve ça... Je préférerais qu'ils me disent, bon écoute, papa, c'est vrai, on l'a fait à plusieurs, je sais rien, qu'est-ce qu'il pourrait me sortir, mais je préférerais ça, là, je trouve ça pas honnête, je le sens pas, voilà, je le sens pas. Mais sois fier de lui. Mais c'est pas une question de fierté, si tu dis que c'était pas fier de lui, je te dis juste que je trouve ça étonnant. Mais tu lui fais de la peine, tu vois pas sa tête, là. Regarde-le, il a l'air d'être peiné, tiens. Ouais. Ouais, il a de la peine. J'aurais tellement voulu avouer ce que j'ai fait, mais je voulais pas saouler mes parents, en fait. Pour moi, ça sent bizarre, c'est tout, je te le dis. Sinon, à côté de l'école, t'as une activité, y a quelque ouais. chose qui te tient? Je kiffe le foot. Je fais du foot. D'accord. Foot de rue, foot en club? Je fais du futsal. Ouais. Et je devais participer à un mondial, mais finalement, j'ai pas pu. Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas accroché? Hier, j'ai croisé Brahms. On a parlé et tout, et je lui ai parlé du bis qu'on comptait commencer. Quoi? Attends. Tu lui as parlé du bise? Bah oui. Putain. Ah mais écoute. Eh hey, mais ça là, ça devait rester entre nous, t'es con quoi? Il est intéressé en plus par le bise. Niveau terrain, il peut nous aider grave. Réfléchis. Putain. J'espère que les bails là, ça tombe bien. Parce que je te rappelle que dans une semaine, moi j'ai le mondial. J'ai pas envie de le rater, je m'entraîne dur là. C'est pas avec 1500 euros que tu vas aller loin. Surtout si tu commences un business dans les mèches. Bah oui, sachant qu'à Châteauroux, j'ai à Château d'Eau les perruques qui sont à 30 euros. Ah non. T'es pas à Châteauroux ici. Je te rappelle quand même que t'es chez Lambert Beauty, coiffeur de star. Donc à un moment donné, enfin Château Rouge, ça va deux secondes quoi. Comme t'es mon ami, je peux éventuellement te faire un prix. Voilà, je veux que ton bonheur, voilà. Mais à un moment donné, faut que je touche une partie du bénéfice, on est bien d'accord, que tu percevras. Donc moi je suis prête à faire des concessions, te faire une réduction de disons moins 30%, pas plus, vu que c'est tes débuts. Voilà, tu commences avec ça. Si ça marche bien pour toi, bah, je percevrai le bénéf. Bah oui, bien sûr, ça me convient. Bah, j'espère bien. Qui pourrait rajouter un billet? Ouais. Là, c'est moi, tu s'assois à la caisse, hein, mais pas plus. Hein. Bien vu, les gars, bien vu. Pas plus. Vas-y. Bon, bah, si vous vous rajoutez, les gars, moi, je vais taffer avec mon oncle après le mondial. Donc, je pourrais ramener dans les 800 balles à la caisse. C'est bien, vous ramenez 500 balles, moi, 800 balles. C'est bon, on est prêt là. Hey, tiens, un truc que t'as pas compris. L'argent, on attend pour la fin de la semaine en fait. Donc tu fais ton choix. Soit c'est le business, soit c'est le mondial. Soit c'est la roche à raison. Eh, vrai, dis-moi que c'était pour la fin de la semaine. Eh, mais c'est mort. Eh, moi je me suis entraîné super dur. Ok, il y a ma daronne qui a payé et la date de remboursement elle est passée. Je dois faire comment? Eh, hey, gros, ton mondial, je pourrais vous passer dans deux ans. C'est pas perdu, mais là, la chance qu'on a là, faut la saisir. Mais quelle chance? De quelle chance tu me parles? Eh, hey, je payais moi, je me suis entraîné dur là. Et je m'entraîne encore plus dur. Frère, écoute. Il y a du mal à trouver son contact, pas gars. Imagine qu'on a rendez-vous pour être valide, on fait comment? Il y a rien. Mais il va me dire quoi? Ce serait fini ma gueule, t'es là ou putain? Réfléchis. Eh, hey, franchement, moi les gars là, j'ai une meilleure idée. Venez, on fait ça seul, sans Brahms. Non mais, on prend notre temps, on ramène plus de thunes, ok? Mais non, c'est pas le temps à perdre là. Non mais ça, et moi, je vais peut-être taffer longtemps avec mon oncle. Donc je pourrais ramener plus de 800 balles. Donc c'est bon. Hein. Eh hey, vas-y, de toute façon, moi je tiens ma vie. Donc venons faire ça dans les règles. Quelle règle tu parles toi? Eh hey, frère, si on faisait ça dans les règles déjà, on ne ferait pas un bis illégal. Mais tout le contraire. Attends, celui qui m'a demandé de trafiquer ses diplômes là qui me fait la morale là. Pff. Bref, les refs, demain cambriolage, faut amortir les dépenses. Quoi? Allez, pisse dessus, je vous prends vous deux cambriolages, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes toi? Eh, cambriolage, ça serait pas, hein. Mais voilà, frère. C'est pas comme si tu rentres à Carrefour, mec. C'est un ouf, je suis pas un amateur, moi, j'ai déjà fait ça. T'as déjà tout fait, toi, les gens des derrière, demain cambriolage, je vous appellerai de façon. Ouais. C'est tout, c'est bon? C'est tout. Vas-y. Ça pas la main, c'est cool. Cool.
va? Ça va quoi? Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, tranquillement. Ouais. Faut que je te parle. C'est très très important. Ouais? Quelle heure il est là? Je sais, on est à 5-10 minutes de l'entraînement. Mais... Pas de problème, on discute après l'entraînement. Non, c'est vraiment grave sérieux là, il faut que je te parle. Ouais, pas de soucis, c'est sérieux aussi, après l'entraînement. Je peux plus faire le mondial. Hein? Quoi? Je peux plus faire le mondial. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te pense sérieux en fait. J'ai bien réfléchi et tout, j'ai pris... Il y a du verglas dehors là, t'as glissé sur la tête, c'est quoi? Non mais... Non, tu te rends compte de ce qu'on t'es en train de dire là? Si, je sais, mais... Bah, si tu me dis t'arrêtes le mondial, c'est pas de prendre une bonne décision. Là, tu retombes les pieds sur terre, hein. Tes conneries, tu les évacues un petit peu, puis tu vas venir sur le terrain t'entraîner. Écoute, t'avais un engagement. Ça, c'est non remboursable. Hein. Oublie tout de suite. Hein. Moi, ça se bousculait. Je t'ai pris toi. J'ai compté sur personne d'autre. Hein. Donc moi, ce que je vais te proposer, hein, c'est pas une semaine ou un mois. C'est un entraînement. Et à la fin, on en discute. Ok? Ok. Vas-y. Et par rapport à ce mondial, en fait, j'hésitais soit entre faire... Je suis désolé, attends, c'est... Attends, est-ce qu'on peut reporter notre temps à demain? Ça va être hard, par contre, parce que... Ça va être chaud, parce que... Parce que... Il y a des grandes rivales et tout, et c'est... Oh. Attends, est-ce que t'as un endroit où dormir ce soir? Ouais, enfin, je vais me débrouiller pour trouver une voiture. Écoute, c'est quoi, la situation est trop importante. Je peux pas rester comme ça. Faut que j'en parle à mes collègues. Je dois faire remonter à ma hiérarchie. Mais t'inquiète pas, on te soutient. D'accord, okay, mais faut pas trop en parler en fait. Non, on est dans la discrétion de toute façon. Je te l'ai dit tout à l'heure. Oh, punaise. Il y a des tutos, tuto vaisselle. Voilà. Alors, je te montre comment tu fais. Tu prends du savon. Allez, montre-moi, comme ça, je sais pas faire. Voilà, ouh, du savon, voilà, super. Ça va, franchement, ça... Voilà. Ah, mais ça fait plaisir de voir comme ça. Pourquoi ça va ou quoi? Vous allez dire les badins. C'est bon là? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Vous allez bien? Tout va bien? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Prof, faut toujours qu'il y ait un truc avec toi. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça en fait, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Alors, le travail, ça s'est passé comment? Hein? Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'argent, voilà. Combien? J'ai besoin de 800 euros. 800 euros? Juste 800 euros ou. Non, sincèrement, c'est pour quoi faire? En fait, il y a le coach qui m'a dit qu'en gros, faut payer l'hôtel et tout. Comment ça, il paye des hôtels, il n'a pas prévu quoi? Il voulait faire dormir dans un camping, sur une autoroute, sincèrement, c'est n'importe quoi. Écoute, là, non. On vient de payer 350 euros de frais d'inscription, j'ai pas arraché 800 euros. Quoi? Mais allez, c'est pas grave, laisse, papa, c'est pas grave, mais allez. Vas-y, je monte dans ma chambre. Sincèrement, on était très bien, il y a des coups durs, on a besoin aussi de se ressourcer. Ça, c'est important, nous, de se ressourcer pour lui, pouvoir lui donner mieux après. On est sur un cran, là, on n'en peut plus. Excuse-moi pour hier. Non, c'est pas grave. On en était où? Tu me parlais de tes parents, hein, c'est ça, hein? Je crois que c'est ça, ouais. Je parlais de mon père, c'est ça, je crois. Oui. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? C'est qui joue? Max. Bon, écoute, je viens de discuter avec ta mère, là. Et je vais pas te mentir, on avait décidé de garder cet argent pour partir en vacances, mais bon, t'as des projets, tu es très bien content, toujours appuyé, surtout pour le football, tu vois. Donc c'est ok, on passe ces 800 euros, ok? Ça va? Mais sinon, enfin, c'est pas très très grave, tu vois, tu peux... Arrête de prendre la tête, je te dis, ça va pas ou quoi? Je te dis qu'on te soutient, d'accord? Donc tu vas faire le nécessaire, tu vas réussir, et te prends pas la tête, d'accord? Allez, regarde ton match. Alors, on t'appelle pour manger. D'un côté, j'étais dégoûté un peu. Parce que les sous, c'était pour leur voyage, vous voyez. Et c'est comme si, en fait, que je les avais volés. Mais j'étais quand même content parce que j'allais ramener les sous pour enfin faire démarrer le business. 500 euros par semaine? Ouais, par semaine. Par semaine? Ouais. Attends, t'as bien compté, là? Tu sais ce que ça représente? Je sais très bien. Et je sais que t'en as besoin, cousine, je sais. Ici, là, tu galères. Y'a rien à faire. Tu t'emmerdes. Regarde ta tête. Arrête. Déjà, tu viens, tu t'imposes et tout. Cousse. Je sais que c'est pas légal ton affaire, de toute façon. Nat, regarde derrière toi. Ouais, quoi? Matin, midi, soir, j'ai des policiers qui viennent, d'accord? C'est-à-dire que si moi, un jour, y a un contrôle et qu'ils trouvent de la marchandise qui a rien à voir avec l'exotique, pas déclaré, c'est qui prend? C'est toi ou c'est moi? Je suis ta cousine. C'est la famille, ok? Ne t'inquiète pas. 500 euros par semaine, franchement, ça m'énerve. C'est très bien que j'ai besoin d'argent en plus. Si tu veux pas, moi, y a pas de soucis, je pars. C'est tout. De toute façon, 500 euros, moi, je peux trouver d'autres personnes. Hein. C'est bon, j'accepte. C'est bon, tu veux?
Ouais, c'est bon, mais... Bah... Écoute, une seule condition. Ouais. Je veux pas travailler avec X, Y ou je ne sais qui, d'accord? C'est juste toi et moi. T'inquiète pas. M'envoie pas, je sais pas qui, parce que je les connais, tes amis. Toi et moi. Y'a pas de soucis. Ça va, t'as une parole, toi, hein? Bien sûr, j'ai une parole. De toute façon, je te fais confiance, y'a le compte. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est carré. Tu donnes bien les sous à Nads, hein? T'inquiète pas pour ça. Oh, je te fais confiance. T'inquiète pas, je te dis. J'espère. Et faut que je te dise un truc. Non, c'est pas tout, justement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Faut que tu m'héberges 2 petites semaines, s'il te plaît. Le temps du mondial. Ok? Vas-y. Par contre, je te préviens, il a mis fait à la baraque. Je vais te mettre des couvertures par terre. Ouais, vas-y, c'est Manny. Bon au calme. Vas-y, carré. C'est merde, là. T'inquiète pas pour ça. On fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire. Je sais ce qu'on a à faire. Je fais ce qu'on a à faire. Trop de business s'avère être illégal. On fait ce qu'on a à faire. Dans le silence on peut être très brutal. On fait ce qu'on a à faire. J'ai soigné mon talent musical. Je sais ce qu'on a à faire. Désormais donc laisse mes gars. Laisse mes gars sont agités. Sous les balles j'ai cogité. Besoin notoriété. On peut se tirer mais pas qu'un jour d'été. Se consomme comme l'OCP. Déjà bandit plus la CP. Ça peaufine les CV. Grâce aux vérifs au JAV. Laisse les péraver. On vit avec. On marche ensemble. On craque nos verres. On craint nos mères. Paye tes dettes, sinon on te monte en l'air, on manque pas d'air. La trahison, on sait ce que ça génère. Je sais de quoi j'ai l'air, mais si je suis là, c'est grâce au caractère, pas de caractère. Nos projets, on les mènera à terme, sachez qu'on peut crosser. Et même pour des billets verts, baver sur mon compte. On ne crache pas sur mes gars, tant que je serai là. Le titre restera sous ma garde, sur la carte, même au trésor. Moi et mes gars, on veut le coq, ça se tape contre les forces de l'ordre. Y'a trop de bleu, rien que sur mon corps. Ouvre les portes. Moi et eux, on a pris mes durs, rien à battre. Désormais, je suis notre procédure. Votre business s'avère être illégal. On fait ce qu'on a à faire. Dans le silence, on peut être très brutal. On fait ce qu'on a à faire. J'ai soigné mon talent musical. Je sais ce qu'on a à faire. Désormais, donc, laisse mes gars. On fait ce qu'on a à faire. Votre business s'avère être illégal. On fait ce qu'on a à faire. Et franchement, business, il se passait super bien. Et j'avais de plus en plus de thunes, de plus en plus de meufs. Tout le monde me regardait. Dans le quartier, c'était rempli de clients. Je me passe vos commentaires, mais c'est pas un frère. Ces souvenirs, je les ai mis sous l'enterre. Viens, c'est même pas toi, c'est prêt. Je suis un mec de test, parti de la queue, je viens squatter. Bah, tu peux pas, tant pis. Je suis pas de balance. T'es pas une balance? Bah, non. Ah, ouais, t'es un vrai, toi. Bah, barre-toi alors, ça m'intéresse pas. Ah, ouais, si je sors là et je me fais tirer dessus. Mais tu vas te faire tirer dessus par qui? Par un gars, Brahms. Brahms, il est fini. Il est tout seul. Comme Pablo, à la fin. T'as déjà vu Pablo? Pablo Escobar, ouais. Ouais, voilà. J'ai vu la série, elle est longue. Ah ouais. Enfin, je vais pas comparer Brahms à Pablo, hein. C'est une merde, Brahms. Moi, ouais. Tu peux me comparer à Pablo, tu vois. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Bah, vas-y, balance les blazes, là. On a assez parlé série, hein. Ça fait une heure sur ce message-là, mon pote, tu fais quoi là? Bouge-toi que je suis, putain, on va les couilles là. Allez, bouge, putain! Mais je vous mens pas, au fur et à mesure du temps, en fait, j'étais de plus en plus dégoûté de ce milieu. Je sais pas, c'était. Il y avait plein de trucs qui me plaisaient plus. Ouais, mais tu sais quoi ça? Déjà, c'est des bras attends, cassés, c'est pas possible! Attends, raccroche attends, là! Attends, raccroche! Quoi? C'est des bras cassés, ils vont tout casser! Et puis, monsieur, ça fait 3 semaines que j'attends mon paiement là! Eh. Tu m'as donné 300 euros! 3 semaines, t'es sérieuse hein? Putain! Eh, je paye à la fin du mois, ok? À la fin du mois! C'est disant, c'est chaque semaine, Nadège, t'es sérieuse là? Eh, à la fin du mois, ok? Y'a pas de fin du mois, t'es sérieuse ou quoi? Ah, j'ai tes soucis, j'ai tes problèmes, je te dis à la fin du mois! Vas-y, arrête! Des stress, c'est bon, j'ai payé! Arrête! Tu vois comme ça, c'est pas possible ça! Eh, les cartons, c'est là! Ok. Pardon, je te coupe, hein. Mais tu sembles être quelqu'un d'assez réfléchi, tu vois, qui sait faire la part des choses. Si vraiment tu voulais, peut-être que t'aurais pu sortir de là beaucoup plus tôt. Ouais, mais non, parce que une fois qu'on est pris dedans, en fait, c'est trop tard. Je crois qu'il est jamais trop tard. Jamais.
Tu vois, j'en souviens ce que les paroles de ma mère, elle me disait que quand on a un souffle de vie, on peut toujours continuer d'avancer, tu vois. Enfin, voilà, excuse-moi, je sais pas quoi dire là tout de suite comme ça, mais il est jamais trop tard. Mon gars, regarde comment le bici tourne, on vient à peine de commencer, c'est ça de se faire valider, poteau. Et en plus, on a plus de visibilité pour se remplir les poches, c'est tout bénef pour nous. Et plus visible pour les problèmes aussi, tu penses pas à ça, hein. Eh hey gros, est-ce que tu parles pour gâcher ma joie? Ferme ta bouche, s'il te plaît. Quelle joie tu parles? Toi, là, t'as trop fait confiance à Brahms, c'est pas bon, ça. La confiance, ça paye, hein. Oh là là, ouais, tu t'es pris un vieux cuir, tu luttes sans frais, tu crois que t'es chez pas qui. Attends, quand tu t'es acheté ton ensemble, ta petite paire, t'étais bien content, hein. Ouais, je sais, mais... Ah bah voilà. Bref, et pour les problèmes, alors? Tu as pensé à ça ou pas? Les keufs, tous les ennemis à Brahms, l'entourage et tout, hein? Alors c'est comment maintenant? Non mais attends, tu crois que la vie c'est gaufrette en fait ou quoi? Tu crois que t'auras jamais de problème dans la vie? Pourquoi tu te décourages d'un seul coup? En plus t'as eu des putains d'idées. Avec Naz pour les trucs pour meufs, avec les refs, les sapes et les chaussures. Eh mais si j'avais su, voilà, je t'aurais même pas parlé de sapes, ni de basket, sérieux? Ni de tissage, ni de rien du tout. Sérieux? Ouais, si, je suis sérieux. Regarde bien ma tête. Eh bref, arrête de chialer. Comme s'il m'a dit, demain il faut nous voir nous cinq. Il fait une fête, il veut qu'on y aille. Il a des gars à nous présenter. Ça a l'air d'être sérieux. Faut pas qu'on rate ça. Je sais pas si je vais venir. Eh gros, ça va être de la bombe. Viens, t'inquiète pas. Non. Quoi? Parce que je viens de te dire non. Ça peut, je peux pas y aller. Comment ça, tu peux pas y aller? Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. C'est où déjà? C'est dans une chicha. Mais je vais pas chicher, je te vois. Carrément, donc toi, tu vas me faire croire que tu vas dans une chicha, tu vas boire un thé à la menthe, tu vas te barrer. Écoute, non. Arrête de rigoler quand je te parle. Écoute-moi bien. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu non. Dans un premier temps. Deuxièmement, ce sera chez un pote, je sais où tu vas, je sais que je connais les parents, d'accord, mais non, alors de questions que t'as. Mais qui fait ça à ton âge, franchement? Tout le monde y va. Mais tout le monde, si tout le monde n'a pas de parents, c'est bien. Moi, t'as des parents, ok? Bah tes parents t'ont dit non, donc c'est bon, c'est tout. Mon amour, laisse-le partir. Mais non, je te dis. Non! Là-dessus, je dérange pas, c'est non, ok? Ça dégage, c'est bon. Toi, ne me remets pas en question. Oui, mais t'as dit. Non, ah, tu me chauffes! Moi, ça m'aurait pas plu. Donc, je me lève, je vais le tarter. Après, tu dis, mais non, arrête, fallait pas le tarter, mais fallait ça pas va, le tarter. Un petit peu dur, mais comment ça, un peu dur? Je suis dur. En fait, à chaque fois, je dis non, je suis dur. À chaque fois, je dis oui, je suis gentil. Donc, j'étais assez dégoûté, mais au fond de moi, j'étais assez content parce que j'avais vraiment pas envie d'aller à cette fête, vous voyez. Je suis à 91 milieux sous la mer. Coupe-moi cette merde là! J'ai mis le. Bah, ça fait du bien. Bon, écoute, je discutais avec ta mère. Je vais être honnête avec toi, moi je suis pas du tout d'accord. Mais ok, tu peux aller à cette fête. Par contre, deux conditions. Tu laisses ton téléphone en sonnerie, quand je t'appelle tu réponds. Deuxième condition, tu rentres avant minuit, c'est clair pour toi? Mais si t'es pas trop sûr, c'est pas grave, hein, je peux rester. Comment ça, si je suis pas trop sûr? Je viens de te dire oui, là, me fais pas revenir sur ma décision, d'accord? Écoute, c'est un test, hein. Si t'es sérieux, on pourra refaire ce genre d'expérience. Si t'es pas sérieux, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et je savais que c'était ma mère qui était derrière tout ça. Et tu n'étais pas content? Enfin... Bah oui, je voulais pas y aller à cette fête. Non, pas trop. Enfin, si. Pas trop, en fait. T'avais l'air motivé, pourtant, hein? Je sais pas, franchement, je sais pas. T'as quand même tout mis en œuvre pour y aller. Wesh, les gars, t'es là? Ouais. C'est comment pour rien? Ah, vas-y, je sais pas. Vas-y, tant pis pour lui, vas-y. Attends. Il m'a chauffé pour revenir à la fête, il est même pas là, le mec. Eh, mais ça devait pas être dans une chia? Wesh, c'est un bâtiment. Putain, y'a un code. Bon, là, je vous l'avais dit, les gars. Eh, ça, c'est pas bon. C'est bon, calme-toi. J'ai le code. Comment ça, elle a un code? Vas-y, viens. C'est déjà, j'entends la musique. Je cherche personne. Mais je commence à se. Putain, comment ça se fait qu'il y a personne? Mais c'est quoi dans mon brebis? Vas-y, je suis. Putain. Vas-y, viens, moi je suis. Vas-y, on se passe. Putain, là, on va qu'elle aille. Vous allez où? Tu connais même pas le bâtiment? What the fuck is here, man? Bon, dis-nous où est Brahms? Je sais pas. Bon, on sait qui s'est échappé, alors dis-nous où il est. Normalement, c'était en soirée, ce bordel. Non, en soirée. Oh, c'est grand. Là, t'as pas fait. Mais fais. Allez, où vous êtes fait? T'es sûr? Ah, je sais pas, je suis tombé là. C'est pas grave. Je sais plus, frère, encore. The fuck you looking at? This nigga's upstairs, man. Niggas upstairs. Don't move. Viens se casse. Papa, tu fous pas les portes, t'es sûr? Aide-moi. Hé, lâche ce putain de snap là. Y'a quoi? T'entends pas ce qui se passe depuis tout à l'heure? Bah quoi, vous l'avez pas encore tué là? Non mais t'es sérieux là? Bon, viens là.
Sauvez-moi ce connard. J'ai fait les comptes et tout, et il manque des sous. C'est pas moi, c'est pas les autres. Donc soit c'est toi, ou soit c'est ton pote, là. Rien. Ouais. Dis-moi, parce que Brahms, il me fait flipper. Mais non. Moi, j'ai peur. Yo, go downstairs, man. Okay. Hey, tu fous quoi là? Ouais, j'ai un petit poteau qui est arrivé. Il est où le mec? Bah, je suis sous pareil. Tu veux laisser se barrer? Bah, j'ai plus rien, là, le gun. Putain, ça t'apprendra à faire des snaps à la con. Elle est pas là ta pote encore? C'est bon, je t'ai dit. Je l'ai appelée, elle arrive. Elle arrive, elle est même pas là encore. Eh, je sais que t'es là. Vlad! Putain. Oh la flemme. Eh, tu veux quoi toi? C'est un pote. Eh, vas-y, ouais, rentre, dépêche-toi, mon frère, dépêche-toi. Merci. Putain, encore là, c'est bon, c'est bon. Vas-y, monte. Accélère. Fuck. Putain, mais c'est qui ce mec là? On fait des courses-poursuites, on sait même pas on va où, on sait même pas on va faire quoi, de rentrer dans ma voiture comme des animaux. Non mais c'est quoi les bails là en fait? C'est ça les c'est arabes bon, là bon, aussi c'est bon. C'est bon là. Comment ça les arabes? Eh, vous cassez les couilles. Les arabes, les noirs, ils sont... Vas-y. Eh, nous on est là frère, c'est un problème, dis-moi. Get on the side, get on the side, you motherfuckers. Depuis tout à l'heure, je roule vite, je sais même pas on va où, frère. Je crois que c'est ma ville, je crois que je connais, on va. Putain, ils sont derrière là. Hey, ralentis, un passage par la forêt là. Dépose-nous ici, on continuera à pied. Hé, hey, fermez la porte là. Quand on est tous les deux, je te connais. Ouais. Quand t'es avec Ryan, le Joker, deux visages différents le mec. À un moment donné, faut savoir, hein, on traîne avec des gens bien ou des gens pas bien. Avec qui tu veux traîner? T'as envie de progresser ou t'as envie de régresser? C'est tes choix, ça te regarde, ok? Maintenant, ta position, je l'ai eu moi. Il n'y avait pas 10 000 choix, hein. Il y en avait 3. La mort, la prison et une amie. Christina, c'est elle qui m'a sorti de la merde. D'accord? J'aurais pu aller en prison, j'aurais pu mourir. J'aurais pu faire ce choix. T'as envie de faire ce choix? Bah non. Alors écoute, moi je vais te passer son numéro. Après tu vois avec elle. Ça t'engage en rien. Mais on tient toujours ses paroles. Ok? Tu m'as dit que tu faisais le mondial, pas de soucis, tu vas faire le mondial maintenant. Si tu me dis que tu vas voir Christina, va la voir. À ce moment-là, je prenais pas trop au sérieux ce qu'il me disait. Et je pense que si j'avais écouté, j'en serais pas là aujourd'hui.
Il y a Oscar qui s'est fait buter là. Mon poteau là, l'associé. Ouais. Par qui? D'après les rumeurs, c'est Brahms. Cette information, elle me vient de la taupe. Mon fils de pute. Tu comptes faire quoi là? À ton avis, on va lui rentrer dedans. Hein. Ouais, on va bien lui rentrer dedans même. Ouais, mais discrètement, tu vois, on va essayer de la jouer filou. Comment ça, tu veux la jouer en filou? En mode sous-marin, normal, attends. Si tu la joues sous-marin, ils vont tous taper à notre porte pour faire la même chose. Et ça peut tomber sur toi, ça peut tomber sur moi. Wesh, passe bien? Bien quoi? Ouais. Ouais, je crois que tu m'as dit de venir là. Bram, s'il arrive là. Il voulait quoi? Tu sais, il m'a dit de te dire un truc là. Tu veux que ça kiffe, on me rapplique, salut les kills, on est moins pas utile. Je peux les mêmes. Un peu, c'est ma filette! Je parie pas, je t'y vois pas, j'arrive plus! Je fais une bise, j'ai pris des coups et je suis tombé à plus bactère, je joue à terre. On s'en fout, tu me fais confiance ou pas? On a du terrain à récupérer là, on la joue discrètement. C'est pas le moment de se faire cramer, d'accord? Discrètement, sous-marin, personne n'entend parler. Nous, on bouffe du terrain et lui, on se baise, t'inquiète. Moi, j'en fais une histoire personnelle de ce mec. On touche pas à mes gars, on touche pas à mes gars. Malgré nos fautes, elle nous enseigne des valeurs, des principes. Présente malgré les casse putes, on grandit dans la street, tout est réel, y'a pas de casting. Ah ouais, si je sors là et je me fais tirer dessus. Mais tu vas te faire tirer dessus par qui? Par un gars, Brahms. Brahms, il est fini, il est tout seul. Il l'a niqué, frère. Il l'a tapé fort. On a vu, je sais séparé, frère. Il aurait pu le buter, mais. Oh là, on devait faire ça discrètement, ma gueule, frère. C'est pas de ma faute. Bien sûr, c'est ta faute. Pourquoi t'as ouvert ta bouche? Mais je sais pas, moi. Vas-y, j'ai craqué, je lui ai dit. C'est très bien, lui. C'est pas un mec comme ça, frère. Tu peux pas lui parler comme ça, lui. Eh, vas-y, de toute façon, là, c'est miné. C'est trop chaud au quartier, là. C'est qu'on fait comment maintenant? C'est ça la question. Et malgré tous nos plans bourbiers, nos embrouilles et tout, bah, je me sentais de rester en fait. Il fallait que je fasse le bise, que je fasse avancer ça, et que je fasse toujours de l'argent, toujours plus. J'en avais vraiment besoin. T'en avais besoin, mon vie? Vas-y, tu parles quoi? Plan bise, c'est fini. J'arrête tout, frère. Tu parles du business là? Ouais, plan bise. Non, Hachem, tu te fous de ma gueule. Non, là, je suis sérieux avec toi. Moi, je m'étais sérieux, j'ai ramené 800 euros. Moi, Yves, là, on a quand même aller pour l'argent. Je sais, mais j'ai fait des sacrifices par rapport à ça. On a tous fait des sacrifices, t'es pas le seul, ma gueule. Putain, c'est fini. On est tout seul. On est tout seul. Tu te pisses dessus, frère, parce que c'est comment les sacs? On est tout seul, y'a personne avec nous. Mais non, mais là, y'a tous les potes à Brahms. Ils étaient où la semaine dernière? Tu parles de la fête là? Ouais. Si, c'est vrai, ils étaient pas là. Y'avait personne, frère. T'inquiète pas, y'a moi, toi, Nats et. Y'a personne, elle est où, Nats? Elle est derrière, elle est en train. Frère, t'es au courant de rien, Manuel. De quoi tu dis? Ouais, je crois t'es au courant de rien. Putain, tu vas mourir. Y'a quoi encore, t'es garé? Putain, mais qu'est-ce que t'es au courant de rien? C'est qui ça? À ton avis, c'est qui? C'est Naz, ça? Bien sûr, c'est Naz. C'est le chien de Brahms qui a fait ça. Mais non, c'est pas Brahms, c'est pas possible. Regarde ce qui lui est arrivé, frère. Regarde ce qu'il lui a fait. Tiens, elle a voulu se barrer, ma gueule. Non, c'est pas Brahms qui lui a bien fait sûr, ça. Bien sûr, c'est Brahms. Mais non, vas-y, arrête. Eh, frère, de toute façon, toi, tu vas dans ma gueule. Prends soin de toi, la famille, frère. Eh, moi, Vlad, on quitte le business, frère. Eh. Dis ça rien, hein. Dis-lui bien. À cause du biz, je commençais à kiffer Brahms, vous voyez. Il me donnait une grosse part, il me faisait de plus en plus confiance, il me mettait sur des bons coups et tout. C'est pas toi qui voulais créer un business légal, quelque chose de... Je sais, mais je vais vous le redire encore une fois. Quand on est dedans, on peut plus ressortir, en fait. Moi, je crois qu'on peut, en fait, si on décide de le faire. Comment ça? Vas-y, je te pose une question, tu réponds. Ah, mais il est sérieux, lui? Alors, réponds. Mais il est sérieux, quoi? C'est à qui que tu parles? Tu parles à qui, là? Viens voir tout de suite. Tu parles à qui? Je suis ton père, d'accord? Je te pose une question, tu réponds. Je te préviens, c'est la prochaine fois que l'école m'appelle pour venir que t'as merdé. Tu dégages, c'est clair ou pas? T'en as pas marre, tu nous inquiètes, moi et ta mère, comme ça, t'en as pas marre, tu crois qu'on en a pas assez? Le truc, en fait, c'est que je m'en foutais de mon père. Et je regrette vraiment, vous voyez. Vite, t'as ton sourire, je te préviens tout de suite. Vraiment. D'accord? Le problème c'est moi ici, c'est moi ton père, tu m'écoutes, d'accord? Si tes potes ils font n'importe quoi, c'est un problème, mais tu fais pas ça avec moi, c'est clair? Vas-y, dégage. Mais tu n'as rien dit à tes parents, enfin t'as pas réussi à mettre des mots sur la situation? Ben non, attendez. Vous,
voulez qu'il me tue ou quoi? Tes parents ne semblent pas être des brutes ou... Non, mais... Non, mais non. On a l'impression que ce sont des parents qui sont quand même à l'écoute, tu vois. Je sais, mais j'aurais jamais pu leur dire, en fait. Pourquoi? De peur de les blesser ou... C'est bon, c'est fait. Bien, correct, propre. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. Tu vois, en fait, le problème, c'est que tous les gens du box sont partis. Qu'est-ce que tu racontes, là? Et Amir risque de prendre tous les terres. Frère, arrête de parler d'Amir, je te dis quoi? M'en bats les couilles de lui, t'es un ouf ou quoi, toi? Tu veux quoi? Mais t'es sérieux, là? On peut se faire tuer! Hé, hey, putain, ferme ta gueule, ok? Ferme ta gueule, bouge, vas-y, bouge, casse-toi. Hé, hey, je peux me faire me... Mais casse-toi, les gars, tu... Hé, hey, casse-toi, je te dis, casse-toi, bouge, là! Il y a un truc que j'aime pas dans l'équipe. C'est l'oseille qui monte à la tête. Ouais. Fais attention que ça prenne pas aussi à toi. Tu veux dire quoi par là? Je comprends pas. T'as vu Ryan? Ouais. Il a pris de la caisse. Putain. Hé, hey, t'inquiète pas, hey, écoute-moi bien. Ça y est, c'est fini, frère. Tu peux l'oublier, ok? Donc, qu'est-ce que j'en pense, moi? Ben, qu'il est mort. Et ce con, je lui avais dit en plus, ne pas voler dans la caisse, ça peut aller trop loin. Vous voyez? Mais lui, il écoute personne de toute façon. Et Brahms, il me donne la mission à moi, j'ai que 16 piges. D'être la tête du réseau, de m'occuper de tout le terrain. Wesh, il est fou lui ou quoi? Moi? Ben oui, c'est toi la tête du réseau, gros. Je peux pas, moi, j'ai que 16 ans. T'as l'habitude, toi et Ryan, c'est bon, frère, vous êtes tous les deux. Même bise, tu vois. Ouais, hein? Mais sauf que c'est pas moi qui ai c'est votre bise, les putains. Ouais, mais c'est Ryan qui a tout fait. C'est pas moi, frère. Hé, hey, frère, t'as un mec de confiance, frère, sur le terrain, ok? C'est pas mon bise, moi, à l'origine. Moi, je suis pas rien du tout, frère. J'ai mes parents et tout, je suis. Hé, plutôt, Ayou, écoute, écoute. Même prends un truc à boire, on va faire tes sorts tranquillement. Que je parle en plus. Il y a deux gros problèmes là. Apparemment, il y a presque tout le monde qui est parti. Écoute, parce qu'il dit c'est du mytho, frère. C'est très bien, gros. Oh. Si, si, ben, va voir alors, mais il y a tout le monde qui est parti. Tu me rends pour qui là? Tu veux quoi là? Ah non, on se barre. Quoi? Non, vas-y, ne paye même pas. Oh, là, on se barre. T'es sérieux là? Il reste quelques gars, mais plus trop quoi. Et là, franchement, je suis pas prêt à faire une guerre ou quoi que ce soit. Et y a tous les potes à Amir qui veulent. Eh hey, putain, hey, comment c'est quoi Amir? Mais qui c'est mort, ok? Non, mais c'est la vérité, il faut. M'en bats les couilles, putain! Lâche à boire, vas-y. C'est bon, je vais chercher à boire. Depuis que je suis parti chez ma mère, tout s'est passé trop vite. J'ai mes deux potes qui sont partis, j'ai mon meilleur pote qui est mort. On me confie le terrain, tout le terrain en fait, alors que j'ai que 16 piges. Je fais comment moi maintenant? Et du coup, cette histoire, elle se termine comment, alors? Bah, elle se termine... Ouais, non, tu sais pas comment elle se termine. Alors, on va faire une chose, ok? Je vais faire quelque chose que j'ai fait 10 ans en arrière pour la personne qui t'a envoyé là aujourd'hui. Mais il faut vraiment que je puisse avoir confiance en toi. Je vais appeler quelqu'un de proche, un oncle. Je vais lui demander de t'héberger quelques jours, le temps que l'histoire se tasse et que nous, on fasse ce qu'on a à faire ici, ok? Parce que chez moi, comme on dit, un enfant, quand tu élèves un enfant, c'est tout un village qui l'élève, tu vois? On n'est jamais seul autour de l'enfant. Alors je vais appeler cet oncle, mais avant ça, je vais te demander de faire une chose. C'est un courrier à tes parents. Un courrier dans lequel t'écriras tout ce qui t'est arrivé, en condensé, les grandes lignes. C'est important. Ça va être nécessaire pour eux, pour la suite des événements. Ok? Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent où tu en es. Il faut qu'ils sachent comment t'es arrivé là. Et il faut qu'ils sachent surtout que tu les aimes, parce qu'ils t'aiment énormément. Mais j'avais vu que vous aviez des couilles tous les deux, hein. Parce que pour venir ici sans avoir peur de se faire buter, franchement... Enfin bon, hein, parlons peu, parlons bien. Allez, tiens, il y a un gamin, il va venir te voir, il va te passer le code. Ouais. Ok, vas-y. Allez les gars. Wesh, t'as le foutu tout là? J'étais là. Fais juste attends. J'avais un problème avec la bécane, fallait gilette là. Ah ouais? Il y a tout là? Vas-y, t'inquiète pas, il y a tout. Il y a la porte de Nats? Ouais, il y a la porte de Nats. T'es sûr, passeport? Ouais, t'inquiète. Eh, mais pour Ayoub...